Je viens de faire mon lit. On parie que dans moins de 3 minutes, Cali saute dessus. Voilà. Dites-moi que... Dites-moi que chez vous c'est pareil, s'il vous plaît. Imaginez quand il y en aura deux qui vont faire ça là. À quoi ça sert de faire son lit? Bon, les filles sont habillées, moi aussi j'ai l'impression de faire très palote là, mais en même temps je suis un petit peu palote. Aria est à côté de moi, elle est habillée, je lui ai mis un legging, une petite blouse et puis les chaussettes en fait en crochet là. Moi je suis également habillée, bon rien d'extraordinaire, j'ai un jean et j'ai un haut noir. Je me suis mis un petit bandeau dans les cheveux parce qu'il y a énormément de vent et voilà. Je sais pas si ça va être très enfin si c'est très intelligent d'avoir fait ça, mais bon, on verra bien. Et puis sinon, Calinette, elle a un slim noir avec des Converse et un petit pull blanc avec écrit je t'aime. Voilà. Cali, viens voir mon cœur. Elle est dans sa chambre. On va partir, on va aller chez Mimi. Donc Mimi, c'est la marraine de Cali. On va passer une bonne partie de la journée avec elle. Non, on va pas chez Nounou, mon cœur, aujourd'hui. On va voir qui aujourd'hui? Papa. Non, papa, il est au boulot. Il est où, papa? Je suis là, mon cœur. Je suis sur mon lit, regarde. Cali, je suis sur mon lit. Je suis pas dans la salle de bain. Eh oh, je suis à côté d'Aria, regarde. Coucou, viens. Donc, on va voir qui aujourd'hui, Cali? On va voir Mimi? On va voir qui? Papa. Non, papa, il est au boulot. Papa, il rentre ce soir. Et Soso, bah Soso on la voit pas, aujourd'hui. On ira la voir bientôt, Soso, d'accord? Et Aria, elle est là. Aria, elle reste avec nous. Allez, on est parti. Bon, juste avant de partir, j'ai le facteur qui a sonné, enfin le livreur. Oui, mon cœur. On va partir, oui. On va partir. J'ai le livreur qui a sonné et j'ai reçu mes photos, je suis trop contente. Là, j'ai juste ouvert pour regarder un petit peu ce que ça donnait. Je vous montrerai tout ça quand on rentre ce soir. Je pense, vous laisser à la maison, ça sera... Non, je vous emmène avec moi. On y va? On y va, on va voir mamie? Allez, remets ta veste en jean, là. Regardez sa tenue. Tu montes ta tenue? Fais voir mon cœur. Ouh. Allez, on y va. On y va. Tagada, tagada. Tagada, tagada, tiens-toi bien. Hein. Tagada. Tu veux faire du toboggan? Oui. Allez, vas-y. Allez, ma Cali. Cali. Tu te caches? On te voit. Hein. Coucou. Coucou, t'es trop petite. Coucou Cali! Allez, tu glisses? Bravo! Pousse. Allez, on monte! Pousse. Oh là là, heureusement que Mimi elle est là! Hein. Allez, pousse. Coucou! Pousse. Allez, pousse mon cœur! Tu glisses? Tu fais attention, hein! Attention! Attention! Bravo Cali! Bravo! Bon, et là, on a un petit bébé qui fait dodo. Hein. Ouh là 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 là, il n'y a plus personne. Attention! Ouh, ça tourne! Bah si, c'est mieux. Oula. Ça tourne un peu, non? Coucou. C'est ta maison? Ça aussi, c'est ta maison? Tu fais à manger? Oui. Qu'est-ce qu'on mange? On mange des pâtes? Ou des patates? Ouais.
On mange des patates? Coucou! Kalina, t'es fatiguée. On vient de rentrer, on a mis énormément de temps à rentrer, il y avait des bouchons. Bon, par chance, les filles dormaient toutes les deux, donc ça allait. Au bout d'un moment, Aria s'est réveillée, c'était l'heure du bibi. Oui, il y avait des bouchons. Donc ça va, j'ai pu la faire tenir jusqu'à la maison parce que c'était beaucoup trop compliqué de m'arrêter et de lui donner le bibi. J'aurais pu, mais en fait j'étais bloquée. Mais quand je vous dis bloquée, c'est bloquée sur le périph. Il y avait un accident qui a fait bien mal d'ailleurs. Donc voilà, mais bon, je suis rentrée à la maison, je suis bien contente. J'ai donné le bibi de mademoiselle Aria. Kali a goûté puisqu'elle n'avait pas goûté, elle avait mangé qu'une petite compote. Donc je lui ai donné un petit gâteau. Ah bah tu l'as mangé ton gâteau déjà. Tu veux de l'eau? Oui, on va... Ne pleure pas. Maman, elle te donne de l'eau, d'accord? Je lui donne de l'eau. Enfin voilà, sinon, on a passé une très bonne journée. Ça y est, t'es réveillée? Ça va mieux? Je sais pas chez vous, mais alors moi, quelle idée qu'elle se réveille de la sieste de la voiture, c'est compliqué. C'est très... Mais là, ça va. Et Kali, je peux parler? Merci. Je vais m'occuper des photos. Voilà, parce que je vais m'occuper des photos. C'est parti. Bon, ça y est, les photos sont mises. Celle-ci, donc tous les quatre. Les deux filles ici. Les deux filles ici. Là, c'est Aria. Ici, c'est Aria. Là, c'est Kali. Bon, je les différencie bien quand même, pour le moment. Celle-ci. C'est une nouvelle. Ici, c'est Aria. Hop. Là, il y a les deux. Celle-ci, je l'adore. Ensuite, là, c'est Aria. Voilà. Celle-ci, c'est la photo de notre mariage. Elle va changer et je vais mettre celle-ci à la place. Sinon, dans le couloir, donc j'ai mis celle de tous les quatre puisque avant, il y avait, on n'était que tous les trois. Enfin, tous les quatre, mais Aria était dans mon bidou. Donc voilà, je voulais vraiment changer. Là, c'est Aria, mais là, c'est Kali. Je vais inverser les deux. Voilà. Parce qu'au niveau des couleurs, là, c'est un petit peu trop blanc et blanc. Et là, il y a un petit peu de pêche, donc je vais échanger les deux. Là où on a les deux filles. Voilà. Et ensuite, j'en ai mis un petit peu dans la chambre des filles, mais je ne les ai pas encore mis parce que je devais faire à manger. Donc voilà. Je les ai posées devant. Donc là, il va avoir celle-ci. Il faut que j'en trouve pour ces deux cadres-là. C'est des 7,5 par 10. Mais ça n'existe pas. Donc je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais découper et puis voilà. Parce que j'en ai une ici et une ici. Et puis dans ces trois-là, donc là j'ai mis les deux filles ensemble. Ceux-là je vais les garder comme ça. Et ici j'ai mis sa photo avec ses petits pieds et le cœur. Et ici Aria avec la couronne. Bon, sinon, il est 19h30, j'ai fait à manger, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait à manger. Doudou est parti avec Kali acheter du pain, puisque je n'avais plus de pain au congèle. La dernière fois, j'ai pris la dernière, en fait, et j'en ai pas racheté depuis. Vous savez, moi, j'achète mon pain très blanc à Marie Blachère, je le congèle, et au moins, quand j'en ai besoin, bah, je le décongèle au four, ça va très très vite, mais là, j'en avais plus. Donc, Doudou est allé acheter du pain avec Kalinette, et moi, je terminais de faire à manger, mais tout est prêt, tout est au frigo, ce soir, on mange froid. J'ai fait des pêches au thon, j'ai fait des concombres fromage blanc et j'ai fait du melon avec du jambon cru. Voilà, le melon, je l'ai goûté, il est trop bon. C'est le premier, donc on va faire un vœu. Moi, j'ai déjà fait mon vœu d'ailleurs, puisque je l'ai goûté. Et voilà, on va se régaler et avec du pain frais, ça en sera encore meilleur. Voilà, voilà. Et puis en dessert, bah, vous savez, hier, j'ai fait le riz au lait au chocolat, là. Enfin, le riz au chocolat plutôt. Donc voilà, je ne sais pas si j'en mangerai un ou pas, on verra bien. On verra bien, ça sera la surprise. Bon, je vais dresser la table et une fois que tout est à table et tout est installé, je vous montre notre repas et les photos, je suis trop contente. Je suis ravie, voilà, je suis ravie. On a enfin nos photos de tous les quatre sur les murs et ça c'est parfait. T'as ramené le pain, Kali? Oui, et pourquoi il y a un trou? Il n'y a pas un trou dans le pain là? Il est bon le pain? Donc, les petites assiettes, melon jambon cru, les demi-pêches au thon. Et ici, on a les concombres fromage blanc et le pain avec un gros trou. Merci, Kali.
Bon, je suis en train de faire du découpage avec les petits cadres photos de la chambre d'Aria. Donc j'en avais deux en fait, que j'avais acheté à Maison du Monde à moins 70%. Donc voilà. Donc dans celui-ci, j'ai découpé une photo. Et puis ça rend plutôt pas mal. Et dans celui-ci, je vais mettre cette photo-là. Voilà, de papa avec, avec ses deux filles. Et sinon, Monsieur Doudou, quand il est allé acheter du pain, il m'a acheté ça. Mais c'était du pain, ça. Non, ça c'est pas du pain ça. Ah. Ça c'est un macaron avec des vraies framboises entières. Et toi, tu t'es pris quoi? Rien. Du pain. Fais voir ce que tu t'es pris. Mais c'est rien. Non, c'est rien du tout. Un petit succès. Ouais, avec des feuilles d'or. J'avais hésité. T'as hésité entre quoi et quoi? Bah, il y avait un feuilleté trois chocolats ou sinon c'était un feuilleté noisette. Mm. C'est bon, chocolat, ça déstresse. Hein. Mais il a préféré prendre un succès. Mmh. Ça voilà. Fait un peu pâté, mais bon. Bon, c'est bon le succès. Ça a l'air d'être pas mal. Allez, place au dessert. Oui, parce que les filles sont couchées. Ariel, mais c'est très compliqué le coucher d'Aria. Elle est. Alors, c'est pas pleurer parce qu'elle pleure pas. C'est pas des pleurs. On sait quand elle pleure, quand elle a faim. Là, c'était pas des pleurs de faim. C'est tous les soirs, c'est des pleurs. Genre, elle nous appelle, quoi. Donc, on est obligé de l'endormir. On la berce un petit peu. Et puis après, au bout d'un moment, elle s'endort, quoi. C'est vrai qu'avec Cali, on n'avait pas ce souci-là. Cali, on la couchait et elle s'endort. En tout cas, je me rappelle pas que ce soit comme ça. Moi, j'ai des souvenirs qu'on la berçait pas mal avec les bras. Cali? Pour qu'elle s'endorme dans nos bras, puis qu'on la couche. Je me rappelle pas tout ça. Enfin bref, ouais, donc vous avez remarqué que j'ai changé de tenue hein, parce que, voilà, quand vous faites la vaisselle, quand vous faites le bain, vous vous trouvez trempé, donc autant mettre une petite robe pour traîner à la maison, c'est très très bien. Enfin, je vais manger mon petit dessert, je vais finir mon découpage de photos là, pour que toutes les photos soient mises. J'ai pas mis celle dans la chambre de Cali et j'en ai mis là, des en noir et blanc au-dessus de notre bureau. Et puis voilà, les photos, c'est terminé. Ah bah attends, non, je vous ai pas montré celle du couloir, le pêle-mêle. Je vais vous montrer. Et donc voilà le nouveau cadre. Je sais pas si vous vous rappelez de ce... En fait, on avait un cadre avec 9 photos en noir et blanc, que de Cali. Et donc là, on a complètement fait autre chose. Avec tous les quatre, voilà, et j'adore ces photos, elles sont trop belles, c'est nous quoi, c'est la famille Minou. On est sur Snapchat là, il y a les nouveaux filtres, genre t'es un homme, t'es une femme et tout, et Doudou en femme, franchement t'es trop, mais t'es canon, hein. Attendez, je vais vous montrer. Comme t'es canon. T'es trop canon. C'est top, hein. Tu te kiffes, hein. Ouais. T'es canon. Tu fais un après aussi, là. Bonsoir. Fais l'amour à la caméra. J'ai pas apprécié le truc. Ouais, mais je suis démaquillée. Canon. Alors attends, homme. Donc femme. Ah ouais, c'est vrai. Salut. Moi c'est Rico. Ça va? Ouais. J'aime bien tes yeux. Ils ça te va bien. Un peu rapprochés, mais c'est pas grave. T'as de beaux yeux, tu sais. C'est bête que tes oreilles les cachent. Pardon. Ça fait un peu Judge Dredd. Hein. On dirait mon frère. Oui. Ouais, des traits. Non, il y a des traits de mon frère, c'est un truc de fou. Eh, je suis canon en mec quand même. Moi, je suis comment? Eh ben, Doudou en mec, il n'y a pas grand chose qui change. Tu fais un peu plus. Si, t'as la mâchoire un peu plus imposante quand même. Bah, je te préfère normal. J'ai eu le hoquet. Ça va pas bien, toi. Oh putain. Oh yeah.
Ouais, bananes. C'est des bananes du Costa Rica. Si vous suivez nos retours de course, vous savez de quoi on parle. Je viens de terminer le macaron. Enfin, terminé, non. Il reste la coque en dessous. Trop sucré. Oh là là, c'était tout... il était très bon. Hein. Mais je pense qu'un macaron pour deux, c'est très bien. Voilà. Et en fait, il y avait une chantilly au chocolat blanc avec des framboises entières. Et déjà, le macaron est sucré, en fait. Est très sucré et trop sucré. Mais alors là, ça m'a achevé, là. Disons que c'est pas un dessert léger, quoi. Tu te dis, oh, c'est bon, je prends un dessert avec des fruits. Non. Le macaron, en plus, c'est plein d'air. Non, mais le macaron... Non, c'est pas plein d'air, mais tu sais, t'as la... T'as la... Le macaron. Non, c'est pas plein d'air. Le mode sandwich et macaron, c'est aéré, mais le... Ah oui, non, l'intérieur du macaron, c'est pas plein d'air. les amandes et tout... Enfin, c'était très bon, mon amour. Merci pour ce petit dessert. Mais... la prochaine fois, prends-en un que pour deux. Mais il était très bon, voilà. Mais c'est. C'est quoi une pâtisserie que t'aimes bien, toi? Ta favorite? Mais la pâtisserie, j'adore. Moi, j'adore la tarte au citron. Meringuée? Pas forcément. Tarte au citron. Et toi? Base de chocolat. À base de chocolat. Et vous? Quelle est votre pâtisserie préférée? Vous savez quoi? Je vais vous mettre un petit sondage et vous avez juste à cliquer dessus. Comme ça, on verra les pourcentages. On va peut-être découvrir des trucs. On va mettre... Non, vous savez ce qu'on va mettre? On va mettre genre fruits, chocolat ou des trucs comme ça. Je vais trouver. Enfin bref. Bon allez, je vais éteindre l'ordinateur. J'étais en train de regarder le vlog de Juliana et Julien. Et il me reste 2 minutes. Donc je vais finir de regarder ce petit vlog. Et je vais aller au dodo. Ouais. Demain, c'est jeudi. Et j'ai pas mal de choses à faire demain. Je dois aller récupérer des colis, je dois finir des coussins, etc. etc. Enfin, bon allez, on fait des bisous. Prenez soin de vous. Et à demain. Bisous. Et c'est qui la nana la plus mieux bien de Snapchat? Doudou. Attention.